peut pas dire qu'on a fait un grand match, loin de là. On n'a pas concédé d'énormes occasions à l'adversaire, mais on n'a pas eu aussi d'énormes situations. Et à force de courage et d'abnégation, on a été, les joueurs ont été récompensés de leurs efforts sur un but, certes où il y a de la réussite, mais on était aussi dans un, aussi dans une période où il y avait un temps fort. On aurait pu marquer un beau but avec la situation de Benjamin Cornier, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. C'est important, c'est 10 points en 5 matchs, c'est pas rien. Mais c'est surtout d'avoir voilà, pu gagner ce premier match de la série qui arrive derrière, je vous le dis, une lourde défaite face aux Parisiens. Je pense qu'on a montré des choses, on a mis cette équipe sous pression à certains moments. Voilà, après la déception, elle est que je pense que le contenu du match méritait un autre résultat que celui-là. Après les conséquences du but, voilà, ça arrive, on met un but comme ça, il est à la lutte, il la met. Il faut qu'on apprenne très vite, ce match doit nous servir encore plus que les autres à apprendre et à progresser. Maintenant, ce que je retiens avant tout, c'est qu'on existe à chaque match. À chaque match, on montre quelque chose. Alors, on a toujours les mêmes vertus. On a des vertus qui sont mentales, de solidarité, mais on montre aussi des belles choses sur le plan du jeu, sur le plan de notre animation et de nos principes de jeu. Moi, c'est ça qui m'intéresse, qu'on existe. C'est comme ça, je pense, qu'on va arriver à atteindre notre objectif. Alors, ce soir, on n'est pas récompensé, mais si on fait d'autres matchs comme ça, avec... un peu plus, comme je l'ai évoqué avant, un peu plus de maturité technique, un peu plus de justesse technique, et puis peut-être être un petit peu plus tueur devant. Voilà, il faut qu'on trouve cet équilibre-là.